arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Yop les petits potes, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo test de deck. Avant que la vidéo commence les gars, très très important, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu de la famille, ça me ferait très plaisir, merci à tous ceux qui le feront. Pouce bleu, plus commentaire pour, et abonnement évidemment, pour pouvoir participer au tirage au sort du 25 décembre pour gagner un pass de combat via PayPal. Aujourd'hui on va tester le deck de Juju Clash les gars, comme vous avez vu dans le titre et la miniature. Donc Juju Clash c'est qui? C'est lui tout simplement. Et son petit compte, je l'ai en ami je crois. Son petit compte c'est ça, voilà, il a deux badges TM en plus. Bref, on va tester tout ça en défi classique. Le but c'est quoi? C'est 6-0. Je pense que je vais mettre à faire des vidéos un peu plus longues. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis voilà. Allez, c'est parti, petit cochon. Ok, donc là, attention, j'ai fait pas mal de train avec lui. Je sais à peu près comment jouer le deck. Là, je pense la meilleure solution, c'est de prince. Hop. Nickel. Et là, je pense qu'il a pas grand-chose pour la horde. On va essayer de mettre une horde au pont. Oh, nice. C'est pas mal, alors qu'il peut peut-être prendre le focus pour... Ok, alors on peut zap pré-shot. Ok, l'ascenseur qui est bien défendu quand même. Bon, ok, ça me va. On va essayer de se mettre en 6-0, le but ça va être le but. Le but c'est de 6-0. Ok. Allez, c'est parti contre, chapeau du coup. Allez, on va essayer de la win. Ok, petit fantôme tranquille. Ok, on va le mettre en Dark Prince, je pense. Ouais. Normalement ça dash sur le... Ouais, sincère. Ok, défend comment? Barbare d'élite, on va aller mettre le prince. Je pense que je vais laisser call de Golden Sabacan, c'est pas grave. Je pense que ça quand même assumer des dégâts. Et là ce qu'on peut tenter c'est un double push, regardez comme ça. On a le zap s'il met un truc avec des squelettes. Ok, il sait pas quoi faire. Ouais, là, ok, la panique un peu. Ok, bon, on a pris les deux tours quasiment. On a apporté Gel Zap. Enfin, Zap, c'est 58. Ok, ça, c'est pas trop mal. On peut les mettre des petits, petits Dark. Ah, par contre, il troll de ouf, là, mon Dark. Mais ouais, mon Dark, c'est troll. Je pense qu'on va faire, c'est que là, il a plus de sorcière. Oh oui, oh là, le Dark Prince là. Ok, on va léger ça. Hop. On va aller prendre la win, hein. Tout simplement, contre cette contre chapeau. Petit 3 couronnes des familles, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain, comme on dit dans le milieu. Ok, nickel. On va regarder à chaque fois le profil. Bon, voilà, on n'est pas sur des joueurs d'excellent, de grand niveau. C'est parti contre Royal Warrior, de Royal... Ou CR. Allez, petit fantôme. MK, ok, il va mettre un prince sur le map. D'ailleurs, Juju, si tu es là, n'hésite pas à me dire si je joue bien le deck. Hein. Tu mets une petite note à la fin. Bon, si je fais que des wins, évidemment, c'est 10 sur 10. Hein. Je sais pas si je dois mettre un... Ouais, non, non, il a passé de vie. Ok, on met le deuxième prince. Ok, il prend la charge, ça c'est plutôt pas mal. Normalement, il va reprendre la charge. Ok, ça c'est plutôt clean. On va laisser clé le bûcheron. Ok, il met un électro-sorcier. Ouais, c'est chiant. Je vais mettre un zap, vous savez quoi. Non, ça le tue pas, putain. Ça, c'est du trolling, ça. Ouais, c'est du trolling, ça. TP tu de sa peur, nice. Là je vais mettre un cochon, je pense. Ça va être chiant pour lui là, le cochon. Ah la belle tornade ça. Et j'ai limite envie de gel parce qu'il y a une tornade dans le vent. Ah nickel, c'est lui genre sens électrique qui va mourir. Moi je vais le défendre avec un Dark Prince parce que je sais qu'avec son deck il fait comme ça des fois. C'est met la pression genre. Il pourrait faire des 15 zaps, mais il y a une dev troupe à défendre derrière, c'est chiant.
Là il est obligé de mettre un bûcheron, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va défendre avec un fantôme. Là il a un HP mais je défends quand même. Avec un fantôme parce que c'est chiant, il est obligé de défendre derrière. Tu vois, ça lui j'ai une Tesla dans le vide. C'est pas mal. Bon, du coup là on va tempo un petit peu. Pour l'instant je me démerde pas trop mal je pense hein. En vrai là il y a moyen de moyenner là hein. Là il y a moyen de moyenner de ouf là. Allez petit prince tranquille. Ah ouais non mais frère ça c'est pas le... C'était pas le... pas ce qu'il fallait faire hein. Ok ouais 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 ouais, ouais. En vrai ça je pense que c'est pas mal ce que je viens de faire. Ça, ça va permettre de tuer le Zappy. Ouais c'est exactement ce que je disais, ça va permettre de tuer le Zappy. Ouais, oula, oula frère, calme-toi frère, calme-toi, je rigole, c'est une blague. Ok, je vais devoir assumer un peu de dégâts, j'ai pas le choix. J'ai un Zappy à défendre de l'autre côté, bon j'aurais quand même pu défendre avec un bouchon en fait. Ok, j'ai le prince ici, permet de défendre, parfait. On a le fantôme. Parfait, on a fait une belle défense. Ouais, j'ai un peu paniqué à gauche, mais ça va, ça va. C'est la défense un peu bancale, mais ça va, c'est solide, c'est solide. Allez, c'est... Alors, on va regarder le profil vite fait. Bon, on regardera après, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour The God. Ok, je pense que je vais... Oh, j'ai super mal, hein, mais c'est pas grave, vas-y. Wesh. Là cochon. Ouais ce qui est chiant c'est que j'ai pas mon zap. Oh, le bubu là. Le bubu peut être incroyable là. Ok nice, ça va mettre beaucoup de dégâts ça. Oh, le cochon qui me met bien là. Là il a plus beaucoup d'élex hein. Je vais défendre avec un fantôme lâché. Hop. Ok là on a le zap. Parfait. Là on a un fantôme qui va aller mettre des dégâts. Je pense que je vais défendre l'archer avec un prince. Tellement absurde. Quoique en fait sur la situation il a quand même des squelettes. Oh le con. Ok il crame ça, c'est pas mal. J'attends qu'il joue l'esprit de feu et ensuite je mets ça au pont. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire, regardez. On met le Dark Prince. Ah il a MK. Ok bon, on va mettre l'ordre sur ça. On va mettre le fantôme en plus je pense. Je sais pas si c'est vraiment besoin mais du coup là c'est pas mal. Parce que là le fantôme il prend le focus pour l'instant. Ouais bon c'était de la merde. Ok c'est pareil, il y a fantôme en vie. On va aller mettre le cochon de côté parce que là il a plus d'élex. C'est pas mal comment je joue là, je mets une bonne pression je pense. Après ça je trouve pas que je suis meilleur des joueurs mais... Ok. Ok, mais il utilise une Tesla bêtement encore, je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Ok, on va aller mettre le petit bubu ici. Je pense qu'on va aller mettre une horde derrière. Si j'ai après shot l'esprit, ça sera incroyable. Ok, là on va les gel là. Ça, je gèle. Et je les zappe en plus. Ça, le MK il meurt. Et là, on peut aller profiter de sort de rage pour aller mettre un cochon. Il a attaqué son MK grâce à ça. Tant mieux. Ok, on va aller mettre le prince. Ici. Ok, on va aller mettre ça de l'autre côté. Ok, là, ils sont après chaud. Je me fais exprès, mais vas-y. On va aller prendre les deux tours. Peut-être autre coucou. Non. On n'aura pas le temps. Bon, c'est pas grave. Oh, si, on a le temps. Oh, let's go. C'est plaisir. C'est plaisir. Bon. On va aller regarder le profil de nos autres adversaires. Bah, lui, ok, il était pas dégueu. 5 à 8. Bon, lui, je pense qu'il était sacrément nul. Voilà, voilà. Autant pour jouer ça. Allez, quatrième game. Je pense que c'est mieux que je fasse 6 games parce que les games, comme ça, les vidéos seront beaucoup plus longues.
Dites-moi si vous préférez d'ailleurs. Nalgel, s'il met une armée squelette. Ok, bon, il met une tornade malheureusement. Ok, à mettre le prince. On a le gel, hein. On a le gel. Ok, main Lemgo. Alors, Lemgo, je sais pas comment jouer. Ouais, je lui demande des conseils parce que vraiment son deck il est fort, hein, mais je sais pas comment le jouer, hein, vraiment. Ça se voit que ça tue la Knight par contre. Non, frère, ça va pas tuer la Knight Witch, putain. Je vais attendre en fait qu'elle fasse plein de ses chauves. Ah, yes, il y a une chauve qui va rester en vie qui va mettre 750 milliards de dégâts. Bon, on va au cochon direct. Focus la base. Mais frère, ma tour elle a 2 QI, c'est trop. Ouais. Après, je crois que Golem, c'est un counter, hein, il me semble. Si je dis pas de la merde. Voilà, frère, tu forces, là. Elle a pas cyclé sur son Golem, là, déjà. Ok. Allez, moi, je défends comment je vais mettre le Dark Prince, je pense, déjà, pour commencer. Ok, ça va. On va aller mettre le fantôme en pression. Là, si par golem, je pense, faut que j'agresse. Hein. Je pense, faut pas que je... Si par golem, là... Ouais, voilà. Alors, comme ça. Là, je pense, on fait un petit truc comme ça, je pense. Ah, ça tue sur ces glaces, ça serait incroyable. Allez, 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 hop. Bah alors, mec. Après le golem, voilà, hein. Je pense qu'en fait faut pas défendre le golem, hein. Faut juste push. Hein. Faut juste pas le laisser jouer. Je crois que j'ai bien joué là, je crois que j'ai fait un putain de bon play là avec la horde à gauche. Je crois que c'était vraiment pas mal, hein. Si je ne m'abuse. Bon, frère, calme-toi par contre. Ouais, merde. Ouais, mon jeu il était éclaté là. Attends, à l'aide là. En dessous. Ouais, il est tout au pont. Calme-toi, gros. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il va falloir qu'il se calme, là, le bro. Mais wesh. Oh, oh. Voilà, par contre, là, il a peut-être un peu abusé du bail, je pense. Là, il y a moyen qu'il ait peut-être un peu abusé du bail. Comme ça, peut-être. Oh, j'ai fait le pire gel eu, là. En fait, là, regardez, ce qu'il a fait la dernière fois, quand j'ai fait un 20 avec lui, c'est que j'ai perdu comme ça, ça va aider. Il veut pas foutre un golem, là? Non. Oh, dommage. C'est en gros, il a préparé son push, et dès que j'ai mis cimetière, lui, il avait tout mis au pont. Ok. Voilà, faut le dépop, le golem, là. Là, faut l'enculer, le golem. Ok, voilà, il est dans la sauce, en vrai, non? Je pense. Donc là, non, c'était pas la merde de toutes les hordes là que j'ai faites. C'est pas grave. En fait, il a pas grand chose pour le clairer, je crois. C'est la sauce là. Ok, voir toi. Voilà. Je rigole R. Ah, bah toi aussi tu rigoles R apparemment. Non, je pense que c'est loose. Oh, malheureusement on va perdre cette game, hein. Ouais, c'était compliqué, hein. C'est trop dur contre Golem. Vraiment, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a rien pour la Night Witch, c'est horrible. Il n'y a rien pour les riens. Il n'y a pas de sorcier de glace de... Bon voilà, ok, tant pis, c'est pas grave. Cette game, my bad cette game. Je pouvais pas faire grand chose, j'avoue. Ok, bon, on espère de pas trop taper un golem. Ok. Hop. Alors, mes squelettes ici. Laisse le fantôme à droite, hein. On triche avec le fantôme. Et être le prince.
Ouais, je vais mettre un cochon. Attends plus. Ça peut être relou. Ouais, genre typiquement s'il a une cage, pour lui ça peut être relou. Ok, il met un gang de gobelins dans le vent, on va les mettre pression à gauche avec fantôme. Là forcément il met un truc, du coup je mets bûcheron à droite. Et bûche, mais il va prendre cher hein, quand même. Allez, met une princesse dans le vent, ça se... Ouais, nickel. Allez, mettre un prince au pont, du coup. Ok, il met une cage dans le vent. Je pense que je vais la défendre avec une horde. Non, je vais mettre un prince. Je sais qu'il y a des games où il joue pas la horde. Genre quand dès qu'il coûte très peu cher, il joue pas la horde quasiment. Donc on va quasiment pas jouer la horde. Voilà, on va la jouer par contre. Peut-être mis un peu tôt, non, un poil tôt. Ouais, c'est pas grave, ça va. Ok, mais une mauvaise armée squelette là. Vous allez quand même prendre la tour. Ok, on va mettre pression fantôme. En fait, je pense le but du deck c'est de full spam. Donc en fait, faut pas laisser l'adversaire jouer. Faut le mettre sous pression. Il y a des moments comme là où là je peux pas faire grand chose, j'étais obligé de subir, mais Ok, Nasty, prends le dash. Et là il y a plus grand chose pour la horde. Ok, là il panique un peu. En vrai ça va, il a fait une bonne défense. Ok, on va mettre le prince ici. Ok, on va mettre le prince ici. Là, on va les mettre bûcheron au mid. Avec le cochon. Là, le bûcheron qui a fait une grosse value là. Hop. Là, on peut les zap. Bûcheron qui va aller prendre la tour. On va aller prendre cette win. Hein. On va y aller. Hop. Ah, ça tire contre Shackelt Bozo. Ok. Hop, ok, mettez qui pousse, très bien. On a le bûcheron de ce fond qui va aller gérer ce cochon. Ah. Alors, E-Giant, je sais que c'est un putain de match-up de merde. Alors, surtout si je fais ça. Alors déjà que c'est pas bon match-up, mais si je m'explique, ça va pas le faire. Ouais, là je viens de le mettre dans la sauce là, mais alors dans une sauce, je vous explique même pas le délire. Normalement là, le bûcheron, il devait... Enfin, ça devait être gel. Et ouais. Bon, tant pis. Ok, allez mettre le cochon de l'autre côté. De toute façon, là, je sais qu'il faut que je push contre Jean Electro, faut pas le laisser jouer. Je crois du coup, il vient d'enlever le placement dans notre... Bon, c'est pas grave. Alors là, ce qu'on peut faire, là, ce qui peut être intéressant... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, on va y mettre un bûcheron. Je fais exprès de sacrifier le bûcheron, parce qu'il y a la horde derrière. Et là, on va aller gel ça. Hein. Je pense que là, la meilleure solution, c'est de gel. Et c'était la pire solution. Allez, yes. Bon bah là, je viens de perdre la game sur ça, je crois. Hein. Mais là, frère, je défends comment, là? Bah, je défends pas, hein. Bah, ça focus pas le bon truc et tout. Bah, toujours plus. Hein. Là, frère. Bon bah là, pour passer, frérot, je t'explique même pas la douille que c'est. Voilà ce qu'on peut faire, à la limite c'est ça. On a le gel derrière. Ok, là on va aller prendre la tour. On va le gel, je pense. Oh, le pré-shot squelette là, incroyable. Ok, bon, on a pris la tour, maintenant faut défendre. Voilà, je pense que j'ai juste pas à défendre et j'ai juste attaqué. Hein.
Qu'est-ce que ça peut être? Putain, pourquoi il est pas là là? Attendez, ce qu'on va faire, regardez. Oh oui, le génie. Oh, le coup de génie. Oh, le coup de poker, les gars. Ah. Alors, ça, c'était pas vraiment un coup de poker, ça, de base. Ouais, bah, je défends comment là, frère? Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, rien de trop dramatique. Ouais, mais tout sur tour du roi, mais je sais pas si c'est vraiment la meilleure solution. Ok, je vais gel parce que je prends trop cher sinon. Est-ce que c'était vraiment la meilleure de toutes les solutions? Je suis pas sûr. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est regarder ça, plus ça. Là, si les apitaient, ça peut être pas mal, hein. Dommage. Là, on peut aller mettre le cochon. Je pense que je vais mettre cochon tour du roi. Bon, c'est pas grave. Je peux tuer ou pas le Dark Prince? Ouais, nice. On va aller mettre sa pression tour du roi. Je sais que quand je lance des games, il y a toujours les deux tours qui sont ultra mal. Ok, meilleur zappi. Alors là, ce qu'on peut faire, allez. Ça. Let's go! Contre géant électro zappi, c'était pas farfait en facile. Ok, bon, bah là, c'était pas forcément facile. Je pense que j'ai envie trop zappi, c'est gérable, parce que je viens de le gérer, donc c'est gérable, mais il aurait mieux joué, je me serais fait défoncer, je pense. Ce jeu électro, je vais vraiment rien pour défendre, j'ai le prince, mais... C'est tout. Bon, allez, on passe sur cette dernière game de la vidéo, les gars. Ou pas, d'ailleurs. Si on, si on fait une défaite, tant pis. Non, on relance, quoi. Ok, on va mettre la horde. J'espère juste qu'il a pas grand chose pour la gérer, à part une boule de feu, des flèches, un zap et une snowball. Non, j'abuse un peu, mais... La bonzer qui était nulle, là. Je peux un... Je sais pas si le cochon était la meilleure de toutes les options. Ouais, si. C'est une bonne option. C'est là mon Dark Prince qui peut faire le taf. Et je pense que j'ai fantôme, hein. C'est moins cher. En tout cas, il va mourir, donc... Je sais pas si ça résiste bien un prince ou pas. Ok, les bubus qu'on met là. Ah, ça c'est chiant ça. Moi, du coup, on peut mettre de la horde là parce que je sais qu'il y a une boule de feu. C'est que là, mon bûcheron il va mourir donc, du coup, ça va mettre un sort de rage. Pas mal ça. Alors là, ce qu'on peut faire, regardez, pour l'emmerder, c'est ça, regardez. On met une horde ici. Ouais, ça, il est obligé de BDF en plus. Et ça, c'est pas trop mal. Est-ce que ça peut tuer? Non, dommage. Là, je pense que je vais défendre cochon. Enfin, défendre cochon. Il a... Oh, il a un prince, c'est vrai, j'ai oublié qu'il avait un prince pour défendre. Il m'a... On prend un coup? Bon, on prend pas de coup. Alors, ça, c'est dur de pas prendre deux coups sur ça. Ok, oh bien joué ça. Ok, c'est très bien joué de sa part, mais malheureusement ça ne marchera pas. Son Dark Prince il me fait trop chier en fait. Et il y a une boule de feu pour ma horde. Dans tous les cas c'est value en fait. Ok, on va mettre la horde. Je pense que là il n'y a pas la boule de feu direct. Il n'y a pas mal de réflexe. Ouais, s'il a le réflexe. Hein. Il y a clairement le réflexe. On va aller mettre le cochon. Là s'il met son prince ça va faire mal. Hein. Qui a un peu gel, allez hop. Et il ne savait pas ça. Ça il ne savait pas. Le coup de poker il est maintenant. Ouais, après il faut défendre. C'est une autre histoire ça. Et bon, mais, bah ça Darwin, hein, logique. Hein. Est-ce que ça peut tuer? Ça tue pas le sens électrique, les gars, je suis dans la merde, c'est bon. Ça tue le sens électrique, donc ça va. Ok là bah non c'est le moment de passer. J'ai seulement ça à dire. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un beau zap. Hop, ouais, je m'en doutais. Oh là là, le coup de poker. Le coup de poker au dernier moment, les gars. Le coup de poker, bien sûr qu'il est là, le coup de poker. Bien sûr qu'il est là, le coup de poker, les gars. Voilà, là, c'est comme ça qu'on joue.
Ouais, incroyable cette dernière game. Hein. Cette dernière game, c'est clairement un petit compte. Niveau 9, 5K avec ça. Son clan, je pense que voilà. Hein. On est d'accord que c'est un petit compte. Bref, les gars, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Les gars, c'était vrai coup. Ciao, ciao!